Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C. Diamant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ma case numéro 3 de mon diamond painting mystère en AB carré, tout en AB. Elle a 34 couleurs. Est-ce que vous voyez bien? C'est pas évident. Voilà. 34 couleurs. Il n'y a pas de couleur puisque c'est mystère. Tous les symboles sont gris. Voilà. On va faire la troisième case. Je vais vous montrer mes deux premières cases. Pour l'instant, je n'ai pas deviné ce que c'est. Voilà. Et voilà. Des couleurs magnifiques. Je vous replace. Je vous remets comme il faut. Et on va y aller. Alors attendez, j'installe la caméra qu'elle ne bouge pas trop. Alors on y va. Vous voyez, tout en gris. Apparemment, j'ai fait craquer quelques-unes avec ces toiles en cristaux et en AB. Je pense à Delphine et à Marion qui en a acheté. Marion, je crois que c'est que des cristaux. Alors, je fais cette toile avec Cindy. Je mettrai sa photo à la suite de celle-là quand elle me l'aura envoyée, si elle me l'envoie. Sinon, vous l'aurez dans la prochaine. Parce que vous avez eu ces photos dans l'autre vidéo. Vous avez eu ces deux premières cases. Si je ne me trompe pas, normalement, non. Alors, on va faire le 939 et c'est le 25. C'est ce joli coloris là, magnifique. Vous avez vu? Alors attendez, c'est pas évident de. Voilà. Ils sont très très beaux et bien taillés. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors on y va. C'est comme les diamants carrés en strass. Ils étaient super bien taillés aussi. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Et je vous mettrai en barre de description, c'est le même vendeur. À part que celui-ci, c'est marqué Sophie Beauty, mais l'autre, c'était... C'est les mêmes vendeurs, les deux. Aussi bien strass... carré... que AB, c'est chez le même vendeur. Et je n'ai pas trouvé d'autres vendeurs sur AliExpress. Et pour l'instant, je n'en ai pas trouvé ailleurs. Tout en AB comme ça, il n'y a que des toiles mystères, il n'y a pas de toile avec des dessins prédéfinis. Je ne sais pas si un jour ils vont en faire. J'ai un diamant qui a sauté. Je vais le récupérer, il est là. Je ne sais pas si vous allez voir la case en entier, pas terminée. Ça dépend le temps que je peux filmer. Très très beau ces reflets verts, là, violets. Magnifique. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est peut-être une toile abstraite. Et Cindy, elle, c'est beaucoup sur les teintes de bleu. Je vois qu'elle a beaucoup de bleu. Peut-être un fond marin, peut-être.
Je ne sais pas. J'entends le vent, ça souffle beaucoup dehors. Jusqu'à 70-80 km/h. Ça souffle énormément. Ce matin, on a eu des coupures. Ça, c'est le vent. Des coupures de courant. 2-3 fois. Vous avez vu, c'est très très beau. Je ne sais pas si je peux vous zoomer un peu plus. Alors, peut-être que je vous recule. Non, je vous avance. Voilà. Un peu de nouveauté, ça fait du bien. Maintenant, les partenaires font des toiles avec des AB, mais pas entièrement, mais avec 4-5 couleurs. C'est bien aussi. Ils se mettent un peu à la page, c'est sympa. Il y a d'énormes nouveautés aussi en diamant, en accessoires diamond painting. Moi, je commence à prendre des petites choses pour Noël. Vous allez voir ça dans les vidéos qui vont arriver. Bah, quand je vous filme, il me semble que vous aurez vu aujourd'hui la vidéo de mon joli bonhomme de neige qui est terminé. Et j'ai plus qu'à le vernis coller. Très agréable à faire. Je crois que je m'en prendrai un autre. Il y a plusieurs modèles. Magnifique. Il y a aussi des Pères Noël, des paysages. Hop. Par contre, ces toiles-là, je reviens à la toile, en tout AB, c'est un peu plus cher que les toiles classiques. Je pense que le prix par rapport au diamant, quoi. Comme c'est que des AB, je pense que c'est une production différente. Peut-être de la manipulation en plus. Donc le coût est un peu plus cher. Je pense. Hein. J'ai déjà vu des vidéos comment est fabriqué, enfin, comment est mis en sachet les diamants. J'ai déjà vu une vidéo sur TikTok, je crois. Il y a déjà longtemps. Ces toiles-là collent très très bien. Nous n'avons pas de soucis là-dessus. Bon, c'est du papier opaque, c'est pas du papier transparent. Mais bon, comme ça, on découvre le motif au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on aura un papier transparent, on verrait tout de suite le motif, même s'il est mystère. Il n'y avait plus de charme pour découvrir. Je pense que je vais vous mettre sur pause et je vous reprendrai un peu après. Je vais avancer un peu de mon côté. Que ce soit plus intéressant pour vous. Pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est un peu plus tard. Voilà, je vous reprends un peu. J'ai avancé, j'ai fait tout ça. Alors, il y a du violet. Il y a du violet un peu plus clair. Il y a du bleu et il y a du bleu. Voilà. On va choisir une autre couleur, et je vois que j'en ai oublié, tant pis, je le referai après. Du blanc. Le blanc, il est là. 38-65.
Est-ce que vous voyez si je vais... Oui. Ça va changer un peu que du foncé. Si vous aurez dit oui, c'est mon chat qui boit dans ma tasse. Elle finit mon café. Ça va chouchou, il est bon le café. Entre mon chat, enfin, et ma chienne qui est dans le canapé, qui fait sa toilette. On entend toujours le vent. Ça souffle énormément. J'ai toujours pas deviné ce que c'est. C'est bien comme ça. La surprise reste entière. Ouais, j'aime bien quand c'est comme ça. Même si je suis curieuse, je suis patiente. Le blanc est très joli. Peut-être vous mettre un peu plus zoomé. Vous voyez un peu plus. Mais alors, toutoune. Je vais vous montrer d'un peu plus près après si vous voulez. Hop. Il n'y a pas beaucoup de blanc, il n'y a que cette ligne-là. Chouchou. Avec sa patte. Hop. Ouais, ça souffle bien. Ouais, ils avaient dit entre 70 et 80. Après, il faut que j'aille ramasser ma chaise de jardin. C'est envolé. Voilà. Je sais que le blanc qui est là. Très très beau. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Donc, on va prendre une autre couleur. Je vois qu'il y a des 4, il n'y en a pas beaucoup. Et les 4, c'est du 818, c'est le numéro 20. Il faudrait que je les remette dans l'ordre, ce sera plus simple. Je ne trouve pas le numéro 20. Je vais le trouver. C'est un joli rose. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Un rose bonbon. Ça plairait à cette couleur. Joli rose. Hop. Ça ressort à côté du blanc. Vous avez vu là, j'en ai un sans couche. Je l'enlève. Hop. Je fais. Voilà. Si j'en ai encore une là et j'en ai plus, voilà numéro 4. Alors ensuite je vais faire les triangles en bas.
c'est le numéro 21. Je l'ai lu tout à l'heure. Le 21, c'est du 820 avec du bleu. Voilà. Un joli bleu roi. Magnifique. Super beau. Ouais, très très beau ce bleu. Je pense que je vais vous remettre sur pause et puis je vous reprendrai peut-être après pour clôturer cette vidéo sûrement. Vous allez pouvoir voir mon chat. Je vais dézoomer quand même. Je vais vous monter un peu la caméra. Est-ce que vous allez voir Chouchou? Voilà Chouchou. Voilà. Vous avez vu mon chat en train de boire ma tasse de café. Bon, ben moi je vous dis à tout de suite, pour moi c'est plus tard, mais pour vous c'est tout de suite. Voilà, on se retrouve, j'ai bien avancé quand même, il me reste plus grand chose, un peu quand même encore, mais on avance, vous voyez rien, je vais peut-être, voilà, vous voyez un peu mieux, oui, non, oui, alors... La journée est un peu passée, 2 heures après, j'ai fait du ménage et mon mari est parti. J'ai dit, tiens, je vais finir la vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir finir le... comment... la petite case, mais bon. Alors, j'ai des croix et les croix, c'est le 310. Alors... 310, c'est le numéro 5. Le numéro 5, voilà, magnifique. Là, j'ai des diamants, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Il faudrait que je cherche parce que j'ai dû mélanger deux couleurs. Donc, il va falloir que je regarde ça et que je range ça. Il y a toujours autant de vent, mais il y a un peu de soleil. J'ai ouvert la maison, j'ai fait un peu de ménage, ça sent bon. Je voulais allumer une bougie, mais mon mari, comme il est fragile en ce moment, je ne veux pas. Il est très sensible aux odeurs. On attend, je crois que vous en avez déjà parlé, son opération début novembre. Il a une tumeur au cerveau qui n'est pas cancérigène, mais qui est très handicapant. Elle est placée, très mal placée entre les deux yeux. Donc, ça lui donne des migraines. Ça le gêne pour les odeurs, la fatigue, la vue, bien sûr. Donc, là, elle a grossi un peu. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'il s'est déjà fait opérer. Et là, il se refait opérer. Là, il ne faut plus attendre. Voilà. Donc, vivement cette opération. Qu'elle soit passée pour son confort à lui. C'est une lourde opération, hein. C'est pas opération du cerveau, c'est pas une petite opération. Donc j'essaye de pas trop y penser. Pour l'instant ça va. Après le moment venu, hein. Voilà. Mais je suis bien entourée, ma famille, mes amis, mes petites copinettes youtubeuses, il n'y a pas de problème. Vous, mes abonnés, qui m'envoyez des messages réguliers, je vous embrasse et je vous dis merci infiniment. Ça me touche énormément. 29. Je ne sais pas si vous entendez le vent. Ça souffle, ça souffle. 29. Et je me demande si ce n'est pas le 29. Parce que ça ressemble fortement. Ouais, c'est bien ça. C'est le numéro 29.
que j'ai mélangé avec la couleur numéro 10. C'est le 550. Et pourtant, ça ne se ressemble pas. Ça, c'est du marron, l'autre, c'est du violet. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne devais pas être bien réveillée. C'est comme avant-hier, au travail. J'avais chaud, donc j'enlève mon pull et ton t-shirt. Et ma collègue me dit, t'as pas un problème avec ton t-shirt? J'ai dit non. Elle me dit, regarde, il n'est pas à l'envers. Et si, j'ai mis mon t-shirt à l'envers le matin. Mon étiquette était devant. Et je dis, mais t'as raison, me dit maintenant que ça me sert devant. Et je dis, ben, je t'ai pas réveillée ce matin. La honte quand même. On a rigolé. Après j'ai dit, oh là là. Mais bon. J'ai un travail pas facile, c'est vrai qu'on s'entend quand même assez bien avec les collègues, ça c'est une chance, quand même, même si quelquefois il y a des frictions, hein, ce qui est normal, hein, on n'est pas tout le temps d'accord, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais dans l'ensemble, heureusement d'ailleurs. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui. Que je parle pas dans le vent non plus. Parce que ça m'est déjà arrivé de vous causer et de dire oh, bah, la caméra n'est pas en route. Ça, c'est balibalo. Hein. Vous allez voir qu'il y a une différence dans la vidéo. Le matin, je parle tout doucement parce qu'il est très tôt. Et là, comme c'est plus tard dans la journée et je suis toute seule. Non, enfin, il y a ma fille, mais ma fille adore. Ah, rien n'a réveillé. Puis ça y est, c'est les vacances. C'est les vacances scolaires. Ça y est, c'est parti. Hop. Là, j'en ai une. Voilà, je sentais qu'elle était mal enclenchée. Comme ça, après, je ferai le petit montage. Je vais voir avec Cindy si elle a fini sa case ou pas. Le petit sablier. Le petit sablier, c'est du 32. Et le 32, c'est un violet foncé, je crois. Ouais, comme ça. Le week-end, que vais-je faire? Je ne sais pas. Pas grand-chose. Me reposer, faire mes activités manuelles. Ce matin, j'ai fait du point de croix. Après, j'ai commencé à faire cette vidéo avec vous. Et je pense qu'après, je vais continuer mon point de croix. Je vais regarder ce qu'on va manger. Prendre une douche, accessoirement, hein. Quand même. M'occuper de mon linge et du linge à ranger. Je vais faire ça après. Parce que mon mari me plie le linge, me rompe le linge, mais il ne le ronge jamais. Comme il ne sait pas qui est à quoi, qui est à... Hein. Pourtant, on n'est que trois, mais ça, c'est pas un truc... voilà. Déjà, il me le plie, il me le rentre. Hein. C'est déjà bien. On va pas se plaindre. Voilà la couleur. Ah, il m'en manque une ici. C'est bon, c'est parfait. Là, j'ai deux petites gouttes d'eau. Il n'y en a que deux. Et les petites gouttes d'eau, c'est le... Tic, 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 tic. Je ne le vois pas. Ah si, c'est du 8, c'est du 413. Et ça, c'est un vrai. Ouais. 413. Je ne sais pas encore ce que ça peut être. Là, j'ai beaucoup eu de bleu, du bleu, du gris, du violet. Voilà. Ensuite, on a les petits triangles tout fins comme ça, là. C'est du 318, c'est encore du gris. Et c'est du 6, c'est ça, ouais.
très très jolies ces couleurs AB là, magnifiques. Vous avez vu ce joli gris là, magnifique, très très beau. Oui, moi je travaille toujours à la pince, hein. Vous me connaissez maintenant. J'utilise le stylet quand je fais mes articles en diamants spéciaux. Et pourtant, qu'est-ce que je pouvais être nulle au début. Oh là là. En fait, je serrais trop ma pince. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Et j'aime énormément, énormément les diamants carrés. Je suis une mordue des diamants carrés. J'en ai une ou deux en diamant rond et il faudrait que j'en fasse. J'en ai une de l'année dernière. Mon mari m'a offert à Noël. Il m'avait acheté un beau tigre blanc à nose. Et je ne l'ai toujours pas fait tout ça parce que c'est du diamant. Je vais le faire hein, parce que c'est un cadeau. Hein. Mais c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, mon diamant spéciaux, c'est des ronds. J'aime bien. Après toute une toile en diamant rond. Hop. Hop. Ah oui, je ne sais pas si c'est du violet, c'est l'une demi-lune. Voilà. Oh, il m'en reste pas beaucoup, je pense que je vais finir. Je pense que ça va être une vidéo un peu longue. Ça va changer. Le U. Le U, c'est le du 210. Ça, c'est le numéro 4. Un magnifique violet. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Le U. Il est où ton U de Amblance? À chaque fois, quand je dis U, ça me fait penser à ça. Ouais, ça, ce film. Ah, bah, j'ai oublié des demi-lunes, du coup. Ah, mais ce film. Ah, bah, il est où ton U? Quel U? Le U de Amblance. Amblance. Ambulance. Amblance. Ah mais ça c'est culte. Non mais je suis sûre que vous rigolez derrière votre caméra. Enfin derrière ma vidéo plutôt. Derrière votre caméra, n'importe comment. Ça doit faire bizarre. Enfin, je m'écoute des fois dans mes vidéos quand je sais que il y a quelque chose qui me gêne. Mais ça me fait bizarre de m'entendre. Ça fait très, 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 très bizarre. Alors, les 10 minutes, c'était 11. J'en ai deux, là. On va rattraper. Déjà, quand on entend sa voix au téléphone, ça fait très bizarre. Voilà. Après, j'ai juste trois petits, là. 718. C'est le 16. Voilà, 16. Là, c'est du rose. Il y en a beaucoup. Et là, j'en ai que 3 à poser. Oui, donc par rapport à l'opération de mon mari, vous allez peut-être voir un changement dans les vidéos. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, comment ça va se dérouler avec le travail, avec la maison, avec ma fille. Donc. Si vous voyez des vidéos, moins de vidéos, ou, voilà, plus espacées, ne vous inquiétez pas. Je serai là parce qu'en fait, là, on n'a pas encore la date d'opération. On peut avoir la date d'opération, par exemple, du vendredi pour le lundi, quoi. Donc, tous les rendez-vous ont passé. Il a fait son scanner, il a fait un IRM, il a fait sa prise de sang, il a été voir l'anesthésiste. Il a été voir le chirurgien, bien sûr. Donc voilà. Il a eu son dernier rendez-vous hier. Donc maintenant,
Il a fait sa prise de sang. S'il y a quoi que ce soit, ils vont nous appeler, mais je pense pas qu'il y aille. Voilà. Il doit faire test Covid une journée avant, je crois, la veille. C'est obligatoire avant l'opération. Voilà, 28, c'est terminé. J'ai plus de R. Hop, j'ai plus de R. Donc voilà les nouvelles, on le savait de toute façon. Puis là, ça commençait vraiment à 9. Ah, j'ai tapé. Non. 9, c'est le S. J'en ai deux là qui traînent. On l'a quand même pas mal attendu, mais là les symptômes sont trop visibles, trop durs à supporter. Le mal de tête récurrent, la fatigue. Il ne travaille pas depuis. Il avait été en arrêt juillet-août. Il avait essayé de reprendre. Ça a duré 2 jours. Il a fait un malaise au travail. Et voilà. Très fatigué. Même pour aller promener son chien, hier, il n'a pas pu, quoi. Il dit, j'étais fatiguée, j'ai dit, bah, c'est pas grave, j'ai... Toutou n'avait pas été promené une fois dans la semaine. Je sais que c'est très important pour mon chien, mais elle a très bien compris. Hein. De toute façon, il dit, elle le ressent. Quand j'y ai dit non, on verra ça demain, il me dit, elle s'est mise dans le canapé, voilà, elle n'a rien dit, elle est restée calme, quoi. Donc les loisirs, ça fait du bien, ça change la tête, mais j'ai dit, bah, prends un point de croix, je vais te donner un point de croix quand tu vas aller à l'hôpital, ça va t'occuper, il a rigolé, que lui, sa patience, il a la patience pour aller à la pêche, mais faire ça, oh non, il supporte pas, hein. Oh non, non. Bon, 3. Bon, maintenant, je crois que je pourrais plus me passer de mes loisirs. Je serais malheureuse. Ah, je serais très malheureuse. Hein. À tel point que j'en fais avant d'aller au travail, des fois. Quand vous voyez mes vidéos tôt le matin, ça fait rire beaucoup de monde. Mes copines m'ont dit, mais toi, t'es folle. Ouais, mais ça me détend, ça me fait du bien. Ça me déstresse d'avant d'attaquer ma journée de boulot. 27 ans. Ouais. Il y en a qui peuvent pas. Voilà. Et il y en a, ils sont frappadins comme moi. Ou il n'y a que moi qui est comme ça. Ça se trouve, c'est que moi. Hein. Bon. On a presque fini. Donc ça, c'est nickel. Les dés. Les dés. Le 3. Encore un violet. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi. Ça, il n'est pas beau. Il n'y a pas de petites percules brillantes. Voilà, il manque le C et le L et c'est terminé. Hop là. Alors, le L, c'est le 17. 17, où es-tu ? Le 17, c'est un joli bleu. Clair, le 17L, oui, que je me trompe pas. Hop, voilà. Et maintenant, il nous faut les petits C, et c'est le 14, un rose. Là, on était dans le foncé, et là, plus on va par là, on arrive dans le clair. Plus c'est couleur AB, là, ça fait des nuances selon dans quel. Direction, on regarde, c'est super, c'est magnifique.
Comme ça, à la fin, on comparera les deux toiles. Voilà, ma case est terminée. Je vous montre, je pousse mon bazar. Je vous dézoome un petit peu quand même. Voilà. Si je range mes diamants, c'est encore mieux. Voilà. Je mets les pabots là-dedans. Je les mettrai à la poubelle après. Voilà. Regardez-moi cette magnifique case. Elle est superbe. Je vais vous mettre le lien de cette boutique d'AliExpress en barre de description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un petit commentaire, j'adore vous lire. Merci à vous. Et moi, je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.